Dans cette vidéo, nous allons explorer comment l'approche neurolinguistique appuie la politique sur l'éducation inclusive. Donc, comment est-ce que l'approche neurolinguistique nous aide à mieux comprendre les forces et les besoins particuliers de chaque élève et apporter un soutien? Nous allons discuter d'une évaluation qui implique l'élève. La politique sur l'éducation inclusive préconise un enseignement et des dispositifs de soutien qui sont fondés sur des données objectives et qui favorisent le bien-être et la réussite des élèves sur le plan physique, socio-affectif et comportemental. L'ANL appuie très bien ce point, car il est fortement encouragé que l'évaluation se fasse de jour à jour et que l'élève y soit impliqué. C'est-à-dire, l'évaluation n'est pas une activité que l'on fait à l'élève, mais plutôt avec l'élève. Dans la mesure du possible, on veut que l'élève ait du succès dans la classe de français langue seconde. Il est important de fournir de la rétroaction sur le coup. Cela est très valable car ceci donne l'occasion à l'élève de reprendre et ou refaire son travail pour qu'il puisse connaître le succès. Si les élèves sont engagés dans leur propre évaluation, de meilleures chances qu'ils seront motivés. N'oublions pas, un élève qui n'essaie plus n'apprend plus. Notre rôle comme enseignant au sein de l'ANL est de prendre tous les élèves où ils en sont et de leur faire connaître le succès. Comme on a dit dans une autre vidéo, le succès engendre le succès. Dans la politique sur l'éducation inclusive, il est indiqué que l'on doit utiliser des stratégies, des ressources ou des méthodes fondées sur des données objectives pour proposer aux élèves un enseignement et un soutien motivant et sensible à la culture et à la langue. Lors de nos formations de l'ANL, nous avons indiqué que les données recueillies devraient se faire de jour à jour, permettant de déterminer non seulement ce que les élèves apprennent, mais s'ils peuvent mettre leurs apprentissages en application. Cela s'aligne bien avec la politique sur l'éducation inclusive, parce qu'il est noté qu'il faut surveiller fréquemment le progrès des élèves et fournir des interventions en temps opportun. Pour qu'une évaluation de l'élève soit juste, elle doit englober les compétences de l'élève dans son entier. Il est nécessaire de considérer plus d'une source de données. Ce qui nous amène à la triangulation et le principe CAP. Au sein de l'ANL, nous préconisons de ramasser des données de trois sources. Le premier est le C, et cela représente les conversations, c'est-à-dire ce que disent les élèves entre eux et en interaction avec l'enseignant tout en répondant à des questions. Le O, observation. C'est ce que font les élèves. Ce que vous voyez les élèves en train de faire en plénière, en petit groupe, en diade, en écoutant quand ils lisent et en écrivant leurs compositions personnelles ou autres. Et le dernier, P, se réfère au produit. C'est ce que les élèves créent pour représenter leurs apprentissages, par exemple lors des mini-tafs et le produit final. Ces données peuvent être utilisées pour simplifier et orienter l'enseignement et les ressources, ainsi que fournir des commentaires aux élèves afin de les aider à progresser dans leurs apprentissages. Ce type d'évaluation est bien plus inclusif. Cela est bien différent qu'au passé, là où un élève n'avait qu'une seule chance à réussir son examen ou son quiz. Pour en savoir plus, veuillez consulter les liens suivants.